Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, mais je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Sur les acclamations, on s'assoit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est vraiment important de savoir qui nous sommes en Jésus. Quelle est notre identité en Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les enseignements sont donnés pour fonder la foi sur la parole de Dieu, afin de savoir qui nous sommes. Amen. Qui vous êtes? Qui je suis? Alléluia. Ce soir, j'ai la lourde charge de vous entretenir et c'est une soirée d'école sur la délivrance. Alléluia. Donc, les rudiments sur la délivrance. Amen. Amen. Et donc, j'ai préparé un module. Un module. Alléluia. Puisque nous sommes à l'école, alors j'ai préparé un simple module qui va changer notre manière de vous voir et de vous considérer. Amen. Et le thème de ce module, c'est l'autorité du nom de Jésus. Et tout de suite, nous allons ouvrir nos Bibles et lire la parole dans l'Évangile selon Luc, à partir du chapitre du verset 10 au verset 15. Ah, je n'ai pas de lecteur ce soir. J'aime bien qu'on me la lise. Ça repose. Comme je dis, là, je ne vois pas très clair. Quand il 19, verset 10. À 15. Je vais dire pour aller plus vite parce que nous avons déjà suffisamment perdu beaucoup de temps. Verset 10, il est écrit ceci. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il dit donc, un homme de haute naissance, au verset 12. Ah non, j'ai sauté un verset, excusez-moi. Au verset 11, comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole en effet. Il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Dans la version de la Bible du Semeur, il est écrit pour se faire investir au roi. Il appela 10 de ses serviteurs et leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs de Dieu, ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de s'asseoir, afin, vous voyez, je vois très mal, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Amen. Nous bénissons la parole de Dieu. Là, Jésus parle en parabole. Il annonce, en résumé, ce pourquoi il est sur terre. Mais il dit qu'il va se faire investir loin. Il parle de lui-même. Alléluia. Et il est venu pour établir ses serviteurs de manière à leur permettre de s'occuper de son champ. Il parle là de champ. Il parle de ses affaires, de leur laisser des talents, de leur remettre des sous pour les faire fructifier. Dans d'autres paraboles, il parle de champ. Alléluia. Et ce message, par ce message, le Saint-Esprit m'a donné, alléluia, de vous parler de vraiment de l'autorité du nom de Jésus. Amen. Jésus est venu et il a laissé ses talents à ses serviteurs, c'est-à-dire il leur donna le pouvoir de délivrer ceux qui souffraient. Parce que le verset premier dit que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est venu chercher ceux qui sont perdus. Dans une autre version, il est celui qui est venu pour guérir ceux qui sont malades.
Il est le médecin qui est venu pour guérir les malades. Donc il est venu pour apporter le message de la délivrance et de la guérison. Alléluia. Et pour ce faire, il va enrôler ses disciples. Là, on parle des 10 qu'il choisit. Il devait les enrôler pour justement qu'ils marchent conformément, si ce n'est par son pouvoir, et qu'ils fassent des œuvres que lui seul, jusque-là, avait le pouvoir de faire. C'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons, et délivrer de l'oppression de l'ennemi. Alléluia. Après les avoir investis, les voyons au verset. Il donne d'abord les talents, il donne le pouvoir. Et au verset 15, Jésus leur donne l'autorité. En fait, il leur donne son autorité. L'argent ici représente un pouvoir, des talents. Alléluia. Et c'est au travers de ça que Jésus va leur transmettre le pouvoir. Il va leur transmettre la connaissance, il va leur transmettre ce qui va leur permettre d'assurer leur mission après son départ. Parce qu'ils avaient besoin de vrai, conformément à leur appel et par l'onction de Jésus. Alléluia. Et Jésus ici fait ressortir qu'il est roi. Et qu'un roi est venu pour établir des serviteurs. Pour leur transmettre sa royauté. Et nous savons que l'autorité de Jésus s'exerce dans une autorité royale. Amen. Alléluia. Amen. C'est une autorité royale qui est vraiment cachée dans le nom de Jésus. Donc Jésus vient transmettre un pouvoir par cette autorité-là. Nous allons ouvrir tout de suite notre Bible dans Marc 16. Nous allons continuer à lire. Oh, je sens tellement d'options que j'en suis dérangée. Vous sentez ça comme moi? Vous sentez le feu? Alléluia. Vous savez, avant que je connaisse les mécanismes de l'onction, je pensais que j'avais un problème. Sinon, c'est pas normal que quelqu'un soit dans une fournaise en permanence. Non, mais c'est pas normal. Mais c'est l'onction. Et elle est là ce soir pour vous transmettre une connaissance et vous transmettre également le pouvoir qui va avec. Amen. Donc, Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Cette autorité manifestée dans l'onction royale est transmise à ceux qui connaissent le Seigneur. En fait, c'est ce que dit cet évangile de Marc dans son chapitre 16. Il dit au verset 15, Jésus donne l'ordonnance, il dit « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17, « Voici les signes qui accompagneront qui ? Ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, Jésus ne fait pas de distinction. Il dit ceux qui auront cru. Aussi nombreux que vous êtes ce soir, vous êtes concernés par ce message. Parce que vous avez cru. Jésus ne fait pas de distinction dénominationnelle. Il dit tous ceux. C'est un mandat qui nous est communautaire. Une fois que je crois en Jésus, que je suis sauvé, je dois manifester les signes. Mais le premier signe à manifester, c'est d'abord le parler en langue. Le parler en langue. En fait, le parler en langue est le signe que le Saint-Esprit s'est déposé sur la personne. Alléluia. Parce que c'est par lui seul que l'autorité est manifestée. Donc si on n'a pas le Saint-Esprit, il est impossible. Je dis bien, il est impossible de manifester l'autorité dans le nom de Jésus. On ne peut pas manifester l'autorité dans le nom de Jésus si on n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la conviction
de foi et qui atteste que nous appartenons à Jésus. Donc, à partir de là, il donne l'assurance de qui nous sommes en Christ. C'est pour cela que les premiers signes doivent être la puissance du Saint-Esprit manifestée par le parler en langue. Le grand signe s'est accompli dans la ville de Jérusalem, lors de la venue de la personne du Saint-Esprit, en pleine commémoration de la fête de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui priaient et qui attendaient sa venue, qui le désiraient. Alors il tomba sur eux, sur chacun. Il n'est pas tombé comme un torrent, il n'est pas tombé comme une... Non, mais vraiment, il est tombé.